Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est à Brest. Vous avez vu, il y a une verte wall. Ce que je vais faire, je vais essayer de vous apprendre le hand-plank. Oui, je sais, j'ai déjà fait une vidéo sur le hand-plank, mais elle était dégueulasse. Là, on est à l'extérieur, c'est quand même plus joli. Donc, on va voir déjà qu'est-ce que c'est un hand-plank. Donc voilà, ça c'est un hand-plank. Ça consiste à poser la main dans la courbe, sur la courbe. Alors maintenant, on va voir les étapes pour y arriver. Alors, la première étape, bon, forcément, c'est de bien pouvoir tourner dans une verte wall. Faire un air. Mais si vous savez pas faire ça, bah vous saurez pas faire en plan. Après avoir réussi à faire des airs facilement dans la verte wall, ce qu'il va falloir faire, c'est essayer d'envoyer la poignée qui est contre le wall, essayer d'envoyer le vélo comme ça. Donc vous montez et vous allez faire ça, un petit peu décaler le vélo. Une fois que vous avez fait ça, il va falloir essayer de faire le même mouvement en essayant de lâcher un peu la main. Parce que forcément, pour faire le hand-plank, il faut savoir faire le one-end. Et une fois que vous avez fait toutes ces étapes-là, il faut mixer tout en même temps, donc monter dans la courbe, pousser le vélo, lâcher la main et aller essayer de s'appuyer sur la courbe. Alors le plus important, essayez de ne pas rester tout tendu. Ça sert à rien de rester tout tendu, ça va vous bloquer. Moi, ce que je me cale, je laisse plier le bras. Comme ça, je vais vers la courbe et dès que je vais repartir, je pousse pour pouvoir repartir dans la courbure. En gros, c'est les trois étapes qu'il faut apprendre. Puis, allez se caler. Une fois que vous êtes calé, vous allez sans doute tomber. Les premiers coups, vous allez tomber parce que vous n'arriverez pas à remettre votre main. Vous allez glisser dans la courbe. Et après, l'étape après, c'est quand vous allez commencer à remettre la main sur le guidon. Des fois, il s'est un peu de travers et c'est là que vous risquez les plus grosses chutes. Parce que soit vous allez remettre la main, elle va pas se mettre bien, vous allez perdre le guidon, le vélo va partir, vous allez tomber sur les fesses, soit vous allez louper carrément la main et tomber à plat ventre sur le guidon. Il faut faire gaffe, il faut y aller étape par étape, le mieux. C'est un mec qui fait des vidéos de tuto sur sa chaîne. C'est pas dur à comprendre. Voilà, c'était un court tuto pour vous réapprendre le hand-plank. Si vous voulez aller voir la vidéo précédente, elle sera là. Et si vous voulez aller voir d'autres tutos, les playlists sont là. N'hésitez pas à mater et à mettre un petit j'aime. À la prochaine les mecs.